Si vous avez un peu d'expérience pratique de SketchUp, vous avez certainement déjà utilisé les composants. Mais si vous êtes comme la majorité des utilisateurs, vous n'avez fait qu'effleurer leurs possibilités. Alors, quelles sont-elles ces possibilités? Eh bien, il y a tout d'abord la possibilité de dissocier des éléments du reste du modèle. Donc ça, on peut le faire effectivement aussi avec les groupes. Ici, j'ai par exemple dissocié tous les éléments de mobilier du côté lounge. J'ai aussi séparé, j'ai fait un composant pour les éléments du bar. Et si je change de point de vue, j'ai également fait un composant avec les éléments du restaurant. Ça, c'est une chose. Alors, on peut aussi gérer l'affichage des calques. Les calques ne permettent pas, dans SketchUp, de dissocier les éléments les uns des autres. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, dans SketchUp, les éléments collent. Donc, si vous avez par exemple deux faces qui sont reliées par une arête commune, si vous placez une face dans un calque que vous éteignez et que vous déplacez l'autre face, eh bien, lorsque vous allez rallumer le premier calque, eh bien, vous allez vous rendre compte que la face qui était dans ce calque a été déformée, étant donné que son arête commune avec la face déplacée a été déplacée aussi, a été déformée. Donc, pour éviter cela, eh bien, on dissocie les éléments, ce qui veut dire qu'une arête est toujours à un seul endroit. Donc pour cela, la bonne habitude, c'est de mettre systématiquement les arêtes et les faces uniquement dans le layer 0. Pour le reste, groupes et composants peuvent évidemment être mis dans d'autres calques. C'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, ici, je vais afficher la boîte de dialogue calque. J'ai notamment un calque pour le plafond, ce qui me permet d'avoir une vue du dessus et de voir l'ensemble du modèle de façon un petit peu plus pratique. Et de voir ici, lorsque je sélectionne les différents composants et donc les différentes zones qui ont été créées. Ça, c'est une chose. Alors, le fait d'avoir des composants permet aussi d'éditer plus facilement une partie du modèle. En effet, dans SketchUp, il est possible de masquer le reste du modèle lorsqu'on est en mode édition d'un composant ou d'un groupe. Donc, par exemple, si je veux aller éditer le mobilier du restaurant, je double-clique dessus. Et vous voyez ici, par défaut, on a le reste du modèle qui est atténué, donc avec des couleurs un petit peu fades. Eh bien, il est possible aussi de masquer entièrement ces éléments en cliquant sur Affichage. Modification, masquer le reste du modèle. Si je double-clique, donc ici, vous voyez que j'ai chaque fois des ensembles qui contiennent une table, six chaises, des sets de table, mais aussi des luminaires. Donc si je double-clique, je passe en mode édition du composant. Là, vous voyez que tous les autres composants similaires, donc ce sont en fait les mêmes images, des images de composants, vous voyez qu'elles sont toujours visibles. Il est possible aussi de les masquer pour travailler vraiment sur une zone très très réduite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut déplacer, faire pivoter rapidement avec un seul outil, que ce soit un groupe ou un composant d'ailleurs. Donc imaginons par exemple que je veux déplacer, je vais faire un petit peu tourner cette chaise et la déplacer. Eh bien, je peux utiliser simplement l'outil déplacer. Je déplace légèrement la chaise. Et ensuite, je vais faire tourner. Vous voyez, lorsque je survole avec le curseur, je peux aller faire tourner légèrement la chaise. Je vais faire ça avec les autres éléments, avec les autres chaises aussi, toujours avec l'outil déplacer, pour donner quelque chose d'un petit peu plus naturel. Voilà. Et le dernier. Voilà qui est fait. Donc, avec le même outil déplacer, je peux déplacer et faire tourner, que ce soit un composant ou un groupe. Que peut-on faire de plus? Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai ce qui s'appelle des composants similaires. Donc, cette chaise-ci, je regarde composant 54 dans le modèle. Ça veut dire que pour le moment, j'ai 50 chaises qui sont identiques. Ce sont les mêmes composants, ce sont des images de composants. À quoi est-ce que ça sert? Bien, ça veut dire que lorsque je vais aller modifier une des chaises,
eh bien, je pourrais changer toutes les autres en même temps. Par exemple, ici, je double-clique. Alors, ce que je vais faire, c'est réafficher les composants similaires pour voir la modification qui se fait sur les deux côtés en même temps. On peut voir aussi ici que j'utilise en fait la possibilité de créer des éléments symétriques. Donc, plutôt que de modéliser les deux côtés de la chaise, eh bien, je n'ai modélisé qu'une moitié et j'ai fait une copie du composant que j'ai mis avec une échelle négative, ce qui veut dire que lorsque je vais aller modifier, par exemple ici, le dossier, hop, vous voyez que de l'autre côté, on a tout qui suit. Donc ça permet de réduire la quantité de travail. Ça, c'est si je veux changer le dossier. Alors ici, je remarque qu'il vaut peut-être mieux que je crée une petite ligne avant de déplacer. Voilà. Alors, j'ai utilisé le même principe pour les pieds. Ce qui veut dire qu'ici, si je déforme le pied, par exemple, je vais le placer vers l'arrière, vous voyez que l'autre opposé va vers l'avant. Si je vais sur le côté, là, voilà. Et je vais réafficher le reste pour qu'on voit la modification en temps réel sur toutes les copies. Voilà. Donc ça, c'est pour l'édition d'un composant qui a des répercussions sur l'ensemble des images du même composant. Et on a vu aussi donc l'utilisation de composants pour modéliser des objets symétriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Mais créer des collections de composants. Donc, par exemple, si cette chaise-ci me plaît bien, eh bien, j'en ai fait un composant qui s'appelle symétrique. Je vais l'appeler symétrique 2, étant donné que j'ai déjà un composant du même nom. Et je vais l'enregistrer dans une collection de composants, avec un clic droit, enregistrer sous. Et je vais le rajouter à mon mobilier, pas de salon, mais mobilier de salle à manger. Voilà, vous voyez que j'ai déjà toute une série d'éléments identiques. Je l'enregistre et ça permet ensuite de proposer d'autres variantes. Par exemple, si je souhaite montrer à mon client qui n'aime pas cette chaise-là, qui est un petit peu trop basique, il souhaite une autre chaise, un autre style de chaise, pas de souci. On peut sélectionner la chaise et la remplacer par une autre, par exemple la chaise Arizona. Vous voyez que la modification a été faite pour l'ensemble du modèle. Ça ne va toujours pas. On change encore. Et on peut aller chercher, par exemple, n'importe quel élément de la liste du moment que la chaise ne soit pas beaucoup trop large, par exemple. On va prendre celle-ci. Voilà, donc ça change complètement le style du restaurant. Alors, que peut-on faire d'autre? Eh bien, on peut aussi placer facilement une sélection sur une face quelconque. Donc, par exemple, ici, si je souhaite aller placer une chaise dans mon modèle, imaginons que je veux la mettre au mur. Je ne vois pas pourquoi ce serait très important, mais bon, si on se lance dans l'art moderne, je vais aller chercher dans ma bibliothèque de composants. Alors, étant donné que j'en ai quand même beaucoup, mais il faut un certain temps pour afficher toutes les représentations. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans mon modèle. Et je vais aller chercher les éléments de mobilier dans mon répertoire mobilier salle à manger. Et je vais aller chercher ma chaise symétrique. Et voilà ce qui se passe. Hop. Vous voyez qu'elle change de plan suivant la face sur laquelle on se situe. Alors, étant donné qu'ici je suis en mode édition, il n'a pas l'air de reconnaître en fait la face. Donc je vais quitter ce mode édition. Voilà, et je replace ma chaise. Et voilà la chaise qui peut se mettre au mur. Je vais changer de point de vue.
Imaginons que je réaffiche mon plafond. Voilà, je vais rechercher mon composant. Et voyez que je peux la mettre au plafond. Il suit les différents étages du plafond. Je peux le mettre vraiment où je veux. Donc ça peut être assez pratique pour appliquer des éléments à un mur, par exemple. Vous voyez que ça suit aussi des courbes. Donc il va se placer suivant les faces qui composent en fait la surface courbe. Donc pour afficher les faces, affichage géométrie cachée. Et voilà. Hop, suivant la face qui est survolée, vous voyez que mon composant change d'orientation. Donc c'est très très pratique pour aller placer un élément sur une surface courbe, par exemple. Que peut-on faire encore? Eh bien, on peut gérer le modèle. En effet, en créant des composants, on leur donne systématiquement un nom. Et si vous donnez un nom qui veut dire quelque chose, eh bien, ce sera très pratique pour la suite lorsque vous utiliserez l'outil structure. Donc, l'outil structure, la boîte de dialogue structure, permet d'afficher l'ensemble des composants et des groupes qui font partie de votre modèle. Alors, les groupes par défaut ont toujours le nom groupe, ce qui veut dire que si vous ne changez pas vous-même ce nom, ben ce sera totalement inutilisable dans structure, puisque vous aurez énormément d'éléments, mais qui s'appelleront tous de la même façon. Tandis qu'en utilisant des composants et en leur donnant un nom signifiant, il est possible de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Donc je vais tout réduire pour garder seulement les composants généraux. Vous voyez, zone barre, les murs, claustra, 35 plaf le plafond, le sol et tout ce qui concerne le mobilier. Donc la zone lounge, si je clique dessus, hop, je vois qu'il y a trois ensembles de quatre fauteuils et ces ensembles sont aussi composés de deux lampes sur pied, de quatre fauteuils et d'une table basse qui contiennent eux aussi des éléments. Donc ici, des composants, pieds et des groupes. Alors, quel est l'intérêt? C'est surtout de pouvoir sélectionner ces éléments très rapidement. Par exemple, je suis dans mon modèle, je suis complètement perdu, je veux sélectionner l'ensemble de six chaises et une table de restaurant. Eh bien, je peux aller à partir de la boîte de dialogue structure. Je vais chercher dans la zone restaurant un ensemble, table, 6 chaises, et je peux double-cliquer pour l'éditer, par exemple, modifier le composant, majuscule Z pour faire un zoom étendu. Je vais cacher tout le reste. Et je peux de cette façon y accéder beaucoup plus rapidement. Alors, ce qu'on voit ici, vous remarquez les assiettes, donc c'est avec le mode affichage géométrie cachée, on remarque que les assiettes en fait sont composées de quatre éléments. Donc lorsque je vous parlais d'éléments symétriques pour la construction de la chaise par exemple, eh bien on peut aussi utiliser le même élément, composant 216 dans le modèle, pour des éléments circulaire comme celui-ci. Donc par exemple pour un parasol, pour une assiette. Donc par exemple si je veux modifier ici le profil de l'assiette, eh bien je vais aller sélectionner les éléments ici et je vais aller utiliser par exemple l'outil échelle pour agrandir cette zone. Et vous voyez que le reste de l'assiette a été modifié en conséquence. Et évidemment, toutes les copies ont suivi. Affichage, je désactive. Donc ça peut être utilisé vraiment pour beaucoup d'utilisations. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser des composants dynamiques. Alors les composants dynamiques dans SketchUp, il y en a de toutes les sortes. On peut leur donner des dimensions, des effets un petit peu particuliers. Par exemple, ici, j'ai cette décoration qui peut être modifiée à partir d'une liste, par exemple. Voilà les options du composant. Et je peux changer par exemple l'espace libre entre les lames pour augmenter cet espace à 10 cm par exemple.
augmenter ou réduire la profondeur. Je vais mettre 12 cm par exemple de profondeur. Je peux faire varier l'orientation éventuellement. Et ensuite, on clique simplement sur appliquer. Alors, je peux choisir un matériau aussi. Et je choisis appliquer. Le matériau ne me plaît pas. Je change. Rouge cardinal. Voilà, c'est un petit peu plus heureux. Alors, je vais recacher le plafond et vous montrer donc l'utilisation d'un composant. Une des utilisations, parce que vous vous rendez compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Chaque composant dynamique peut avoir ses propres spécificités. Et l'intérêt, c'est par exemple de pouvoir modifier sa taille. Ici, je réduis sa taille tout en conservant chaque fois pour qu'il n'y ait pas de déformation des éléments constitutifs. Voilà, c'est SketchUp qui va aller calculer le nombre de lames que je souhaite garder. Il fait ça dans un sens, dans un autre aussi. Donc là, il va réduire le nombre d'éléments verticaux en fonction de la taille que j'ai donnée. Voilà. Donc si j'agrandis, on va voir que le nombre d'éléments verticaux de montant va augmenter aussi. Et si je change la taille en hauteur, là, ce sont. Donc ici, je fais un petit zoom pour pouvoir sélectionner l'élément ici. Là, c'est le nombre de lames horizontales qui va changer. Donc là, la profondeur est un petit peu trop grande. Je réduis à 6 cm pour ne pas dépasser le texte. Donc ça, c'est un composant dynamique parmi tant d'autres. Pour voir un petit peu ce dont SketchUp est capable, vous pouvez aller dans les composants, cliquer ici sur la navigation et choisir formation sur les composants dynamiques ou échantillon de composants. Échantillon de composants, tous ces éléments sont des éléments, des composants dynamiques qui sont reconnaissables par ce sigle, donc deux petits carrés et un triangle vert avec différentes particularités. Par exemple, ici, vous pourrez faire tourner les roues du véhicule, vous pourrez changer la remorque, le coffre, vous pourrez aussi changer la couleur de la cabine. Et ici, ça je vais peut-être le faire directement, je clique sur le canapé, je le place, et avec l'outil échelle, je vais pouvoir l'agrandir et SketchUp va rajouter des coussins en fonction de la longueur total. Voilà. Pour terminer, un aspect pratique aussi, c'est que à chaque composant dynamique, vous pouvez appliquer des attributs personnalisés, en tout cas si vous disposez de la version pro. Donc par exemple, si je sélectionne cet élément-ci, je peux aller choisir d'ajouter un attribut. Donc vous voyez tous les composants qui composent ce composant 72 fauteuils porte-vecchio carré. Et je peux ajouter un attribut, par exemple, je vais mettre la marque et donner une valeur à cette marque, par exemple, marque ou Intel. Hop. Et je peux rajouter un autre attribut, par exemple, un prix et donner une valeur de 100 en euros, par exemple. Enter. Ensuite, lorsque je sélectionne tous les éléments, donc je ne sélectionnais que les éléments du launch pour que ça aille un petit peu plus vite, et bien avec SketchUp Pro toujours, il est possible, à partir du menu fichier, de générer un rapport, soit avec tous les attributs du modèle, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est un modèle quand même assez conséquent. Ou bien, plus simple, les attributs de la sélection actuelle et je peux générer un fichier HTML, donc pour créer une page web, ou générer un fichier CSV qui sera lisible par un tableur comme Excel ou LibreOffice. Donc je vais utiliser ici générer le fichier CSV. Donc je vais choisir l'endroit où aller placer cet élément. Voilà. Salle de restaurant, enregistrer, je remplace, je veux l'ouvrir, oui.
Et voilà le résultat. Donc ici, on peut choisir le caractère de séparation. Dans ce cas-ci, c'est la virgule. Choisir aussi le jeu de caractères. Ici, c'est UTF-8. Et je clique sur OK pour ouvrir le tableur. Et voilà le résultat. Donc on voit le chemin avec le nom complet et différentes informations, dont la position, le volume éventuellement, si c'est un solide. Et on pourrait avoir la marque et le prix. Donc ici, on voit chaque fois le prix qui s'affiche. En première vue, je n'avais pas enregistré la marque, mais ce serait possible aussi de l'avoir. Voilà, ben, on a fait un petit peu le tour des possibilités des composants. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire énormément de choses avec ces composants, que ce soit les composants normaux ou les composants dynamiques. Donc je ne peux que vous encourager à les utiliser le plus souvent possible, ne fût-ce que pour gérer la complexité des modèles complexes.